Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer des polices sur Photoshop. Alors tout d'abord, je vous conseille le site dafont.com. Je trouve qu'il est vraiment bien et en plus, il y a énormément de choix. Donc on va commencer par choisir un exemple, par exemple la deuxième, voilà. Donc on clique à droite sur télécharger. Après, vous allez dans téléchargement. Et vous trouverez un fichier compressé. Donc pour le décompresser, il faut télécharger WinRAR. Si ce n'est pas déjà fait, donc au cas où vous allez sur Google, vous tapez WinRAR et vous allez sur les premiers sites. C'est assez simple. Après, vous faites extraire ici. Donc là, vous tomberez sur le fichier. Peu importe, les deux c'est la même chose. Donc après, il faut aller dans panneau de contrôle. Donc vous tapez, si vous n'avez pas le logo sur le bureau, vous tapez dans la barre de recherche. Et après, vous tapez à nouveau dans la barre de recherche, mais cette fois de panneau de contrôle. Et après, vous cliquez sur police. Donc là, il y a toutes les polices qui sont installées sur votre PC. Donc c'est aussi installé sur Photoshop. Et c'est là que tout se fait. Vous avez juste à choisir une des deux, peu importe. En général, il n'y a qu'un fichier dès que vous décompressez avec WinRAR. Donc, vous transférez juste dessus, et c'est tout, c'est fait. Après, au cas où, on peut faire la deuxième, et ça reviendra au même, voilà, installation. Donc c'est bon, c'est fait, vous pouvez enlever, vous pouvez supprimer tous les autres fichiers que vous n'avez plus besoin. Après, vous allez sur Photoshop, vous cliquez après à gauche sur texte, et après, vous descendez ça. Et donc c'était voilà, c'était celle-là qu'on a installée. Donc on clique dessus pour voir si ça marche. Et bah oui, ça marche. C'est le même style d'écriture qu'avant, donc c'est bon. Ça a marché, l'installation a marché, tout est bien. Ok, bah merci d'avoir vu la vidéo et à la prochaine.